Et salut tout le monde, c'est Agi, bienvenue pour la suite de notre aventure sur Tales of Symphonia. On est de retour donc dans le temple de la glace, il va falloir qu'on le finisse hein, ce temple là. Parce qu'on l'avait commencé, en plus on a l'alarme de Celsius, donc grâce à ça, normalement on va pouvoir passer ici. Parce qu'il nous manquait l'alarme. Yeah! Maintenant on peut aller de l'autre côté, en plus il y a des coffres à récupérer, etc. Donc on va aller le faire. Il y a une mise à jour aussi. Je crois que c'est 1.3, quelque chose comme ça. Ou pareil, ils ont encore réglé des soucis. Yep. De lag, etc., etc. Ah, d'accord, on glisse comme ça. C'est comme dans Pokémon. Très bien, donc j'ai vu qu'il y avait un coffre qui était à gauche. Si je peux aller au moins récupérer celui-là, ce serait bien. Donc voilà, il y a eu encore un correctif. Bon, dans la logique des choses, normalement un jeu GameCube qui est porté sur Switch, il ne devrait pas y en avoir. Mais bon. On va pas rester sur ça. Et on joue au jeu. Gauche, après qu'est-ce qu'il y aurait là-haut en fait? Je sais pas ce qu'il y a en bas ni... Parce que là si je vais à droite ça va être du vide aussi. Quoique... Mais faut que j'arrive dans le trou là-haut. Ce serait préférable. Si je vais là je fais à gauche. Tac. Tac. Et je redescends et ça n'ira pas. Donc je vais peut-être essayer ça en haut. Ok. Ça me va pour le moment. On va faire ça. Qu'est-ce qu'on avait là-haut? Tac, tac, donc ça ramènerait pareil. Ça sert strictement à rien. De toute façon, je vois pas autre chose que la gauche. Ou si peut-être en bas. Peut-être. Ok, on n'est pas dans un trou. Après, il y avait le truc à droite. Qui bah, refait la même chose au final. Donc, ça sert strictement à rien. Faut que j'aille en haut. À droite. Ok. Je descends. Tac. Tac. Peut-être encore en haut, comme ça. Pour le moment, ça m'a l'air bien. Hein. Ça avait l'air bien. Ça ne l'est plus. Donc ça, droite, de toute façon, ça faisait rien non plus. Tic, 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 tic. J'avais pas trop le choix. Hein. Parce que ouais, là, on est forcément bloqué. Tic, tic. Mais à gauche, on n'amène à rien ici. Et moi, il me faut le coffre. Je veux le coffre en priorité. Donc, je pense qu'il faut se ramener quelque part d'en haut et descendre. Pour qu'on se bloque. Alors, je regarde un petit peu les cailloux. Est-ce qu'il y a un caillou qui ramène comme ça là-haut? Pas l'impression d'en voir. Celui en haut, tac, 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 tac. Il faudrait que j'atterrisse là-haut. Mais comme ça, je ne peux pas. Ouais, c'est ici que c'est bizarre. Parce que là, on va refaire la même chose. Tac, tac. Puis on voit pas le grand plan, parce que j'aimerais bien savoir où est le caillou carré qui est à droite, pour voir si ça passe dans le trou. La gauche, ça ramène sur l'autre caillou gauche, ok. Celui de droite, ouais, tu peux pas ramener non plus. Donc c'est forcément un cône. Quelque chose de ce genre. On va aller voir en bas. En bas, ça ramène comme ça. On va faire tout droit comme ici, ça revient au même. À droite, ça c'est pareil. C'est pareil. Donc peut-être ça. Tac, 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 tac. Ah non. Je pensais que le caillou était sur la ligne, mais pas du tout. Il y avait un truc, hein. Je vais refaire la même. Donc, ici. Non, on était ici avant. À droite, en haut, il n'y avait rien, c'était du vide aussi, ça tape à gauche. Donc ça revient pareil. Ah, quoique. Non, je crois que ça revient pareil. Genre si je fais ça. 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 Puis ça. Voilà, ça sert strictement à rien. C'est bien ce que je pensais. Ok. Ça va être le plus long, ça va être choper le coffre qui est à gauche. Ça va être rigolo ça.
Donc en haut, de toute façon, on l'a déjà fait aussi, ça ne passe pas. Mais... Ah! Ok, je pouvais passer ici. Je pensais que c'était un trou. En tout cas, qu'il y avait un mur. Chose comme ça. Pas du tout. Ok. Ouah, bah ouais. Les lobos. Un lobal des lobos. On se casse. Ok. Oh. Bon, je vais peut-être les tuer parce que je vois rien. Sinon, je pense qu'on sera prêt pour le gros boss qu'on verra à la toute fin. Il m'a bloqué. Je peux rien faire là en sortilège, enfin en arté. Aïe aïe aïe. C'est bon? Ok, je vais arrêter. Je passe à travers la boule de neige, j'ai pas compris. Voilà. Allez, zouf. Ok, comme ça je suis tranquille. Donc, si je fais à droite, gauche. Bah, pareil, je crois qu'il sert strictement à rien celui-là. Hein. J'ai l'impression aussi. Hein. En tout cas, par le bas. Ouais. Ouais, on va essayer celui de gauche. Alors, on va essayer de le remettre aussi dans le truc. Je veux le coffre qui est à gauche. Clairement, je le veux. Je suis sûr que c'est un bon truc. Paf, paf. Paf. Ok. Et là, je peux y aller? Non, je peux pas y aller ici. C'est forcément par là. Donc, tout à l'heure, on a testé à droite, il ne marchait pas. Parce que le caillou, il est sur la même colonne. En bas. Je vois que ça, mais pareil, ouais, hein, c'est la même chose. Tac, tac. Tac, ok. Ça, c'est bon. Celui-là, il était simple au final. Romain. Ouh. Eh, bah, je suis encore bloqué. Au moment de la précision d'un point. Waouh. Je suis bloqué. Technique, Rain. Rétablissement, c'est à compter. Ouais, c'est bon. Ok, et maintenant, je pense en partir d'ici. Aucunement. C'était pas d'ici qu'il fallait partir. Après, faut peut-être passer par le coffre de gauche, non, pour aller là-haut. Allez. Fais le petit tour, et puis s'en vont. Paf. What the fuck total. Ok. Alors, j'avais fait ça. Ça, ça. Donc là à droite, on sait que. Tac. Après, si je faisais à gauche. Gauche, gauche. Ça, ça ne marchait pas. Je cogne ici. À droite, peut-être vers le bas, mais je pense pas non plus. Et pareil, à droite. Ah, c'est. Ça m'aurait paru bizarre, ça a fonctionné. Donc, est-ce qu'on peut, à partir d'ici, comme ça, ça a pas l'air, parce que là-haut, je ne pense pas non plus. Hein ? Quoique ? Quoique, quoique, quoique ? Ah si, c'est bon, ok, c'est ça. Très bien, c'est bon, on est sorti. J'aime ex niveau 3. Au final, celui de gauche était facile. J'ai fait beaucoup plus compliqué pour rien. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? La réponse J à l'endroit avec vue. C'est un indice pour ouvrir cette porte. Est-ce que c'est un endroit avec vue? Un endroit avec vue? Bah là, j'imagine. On va aller tourner. Voilà. Ce serait logique de les mettre comme ça en face. Ok, non, ça ne marche pas. Quand tu seras grand, je serai moi. Avec vue?
Parce que pour moi, la vue, c'était d'ici. C'était à partir du pont. Après, est-ce qu'il faut garder forcément tous du même côté? Ou se voir, hein, se voir entre eux. Avec vue. On va essayer. Voilà. Est-ce que c'était comme ça par défaut, non? Ouais, ça marche pas, donc c'est pas ça. Donc avec vue sur autre chose. On a été où? On avait fait ça. Ça, on l'a fait aussi. On va faire lui. Vue sur la porte, peut-être. Non plus. Il n'y a pas un passage là? Non. Il me reste que la gauche après. Hein. Sinon, ils doivent pas regarder au même endroit. Avec vue. Avec vue. Attends. La réponse est J à l'endroit avec vue. Ah. Ok. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une zone dans le temple qui doit indiquer la position de ces trucs-là. Et justement, faut que je regarde. Ouf. Bah, je vais aller voir ça si je peux pas trouver un petit truc. Puis de toute façon, c'est facile de revenir ici. Ok, c'est ça. Droite, bas, gauche, droite. Droite, bas, gauche, droite. Attends, droite, bas, gauche, droite, c'était ça? Droite. Bas. C'est peut-être haut, hein. En tout cas, lui, c'est droite, je crois. Ah, c'est bon, c'est ça. Gauche, ok. Aïsou! Très bien, la solution était juste en dessous. Les petits carrés. Oh! Je m'attendais pas que ce soit aussi court, quand même. Voilà. Et ça ira, je pense. Ok, on y va. Pink, pink. Kéyaku no shikaku o motsu mono. Waga na wa Celsius. Katsute no yusha, Mythos to kéyaku suru mono. Réaliser le groupe en incluant China. Bah après Zéa, encore une fois, tu vas bouger. On va mettre China. Ouais. Ça me va. Ok. Allez, on y va. Oh, y a un allié avec. Et donc la voix, elle est stylée par contre. Fenrir et Celsius. Je vais peut-être m'attaquer à Fenrir en premier. Hein. Je pense. Hein. Voilà, déjà on est derrière, comme ça on est très bien. C'est parfait. Waouh, il m'envoie loin par contre. Hein. Il colle pas du tout. Allez. Ah, dommage, on a raté l'attaque. Ça c'est embêtant. Allez, viens petit. On va s'occuper de toi en priorité, petit loup. On se protège. Ok. Parfait. On crache dessus, il aime bien. On s'en fout. Par contre, tu peux soigner. Ça, ce serait pas mal, non? Fiole vitale. China. Est-ce que ça me les a laissés? Bah oui, résurrection infirmière. Bah oui, ça me les a laissés. Alors soigne, s'il te plaît. Merci, c'est bon. Parce qu'elle va se faire frapper là. On va peut-être subir. Oh, c'est moi qui ai même qui ai subi. Mais ça va, ça va, ça va, ça va. Ça se passe bien. Lance-glace.
Voilà, je me suis protégé. J'ai eu raison de faire ça. Hein. PV. PM. Après, il me faudrait encore des PM en vrai. Ouais. Bon, je vais juste utiliser ça. Ok. Allez, on frappe. Petite infirmière des familles, on va te re-soigner pour pas que tu meurs si jamais tu subis une attaque. Trop tard, elle a subi une attaque. Fiole vitale. Tac, soigneuse. Ok. Casse-toi, c'est bon, on appuie son loup au moins. Ça, c'est moins chiant. La danse du héros. Non mais, au sol. Couchez, madame. Holy-san. Voilà, au sol. Allez, on se protège. On se protège encore. Quelle frappe. Parfait, et on y va. Alors, je vais me redonner quand même quelques PM, même si c'est pas grand chose. Ouais, en plus, j'en ai beaucoup, donc vas-y, je peux y aller. Hein. Je peux vraiment y aller. Ah, je me suis pas donné mon truc. Non, je me suis donné ça sans faire exprès. Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave, j'en ai beaucoup ici. Ouf, ça fait mal. Allez, à mon tour. Couché. Ouf. Ah, elle a fait la même chose. Elle a fait exactement la même chose. Allez, ce combat, ça va le faire. Bon, il y a eu quelques pertes. Tac. Voilà, ça s'attaque à moi, ça c'est cool. Là, t'en es placé. Je vais prendre cher. Mais ça va. Bien vu Colette. Et puis on enchaîne hein. Waouh. Tu me soignes. Touk. Regarde parce qu'elle enchaîne. Elle frappe encore et après elle fait ça. Ok, on a réussi à s'en évader. Ok. On l'a arrêté. Tac. Oh. Ok, on combo. Fouya. Photon. Voilà les bons dégâts, on va leur mettre au sol en plus. On se protège. Ok. C'est stylé cette attaque, hein. Au moins ça permet de passer outre la défense. Attendez, là si je vais prendre. C'était sûr que ça serait sur moi. Et voilà. C'est tout bon. Début difficile, mais après au final, c'est mieux passé. C'était le loup aussi, il mettait des bons dégâts. さあ、誓いを立てよ。私を刺激できるような誓いを。2つの世界がお互いを犠牲にしなくてもいい世界を作るために、セルシウスの力を貸してほしい。承知した。 C'est vraiment un personnage normal et pas du tout un esprit. Celsius. Hisashina. Sashibi dana. Naze omae ga koko ni? Tagai ni ai irenu to wa ie, ware o sou mo sakeru ka. Shikata ga nakaro. Watashi tachi wa tagai o gai suru sonzai da. では我らのマナが分断されたことは分からんな。世界を揺るがせる事態であることは確かだ。あとはこの契約者たちに任せるしかない。そうだな。我ら相反する存在は Ayez confiance. Voilà. En plus, on vient de combattre un esprit du froid. En ce moment, il fait quand même très chaud, donc vous entendez peut-être le petit ventilo qu'il y a à côté. Si possible, j'essaierai d'atténuer le son. Mais ouais. Faut qu'il y ait vite qu'on meurt, hein. だとしてもやるんだろう?
でも契約した途端にレアバードが機能しなくなったら僕たちどっちかの世界に残らなきゃいけないってこと。瑞穂の民は。Est-ce que quand vous libérez de ces chaînes encore le pauvre parce que depuis le temps? なんとかならないのかね。そうね。最後の精霊と契約する前に切り離した後の世界について調べておいた方がいいわね。これは以前より激しくなっていないか。マナの流れを分断してから地震発生までの時間も短くなっています。世界が二つに分かれようとして。Le saphir. Et bien sûr, voilà. Les techs, invocatrice élémentale. Alors, premièrement, pour Shina. Tac. Alors, acrobate. À perdre en PV, force et défense pour gagner des PM, de l'intelligence et de la précision. Non, je préfère ce qu'elle a. Je préfère vraiment ce qu'elle a. Et enfin, le saphir possède le pouvoir d'éteindre les flammes. Défense, défense glace, etc. Pas mal ça, hein. Quand il y a 3% de PV max, un taux fixe. Ok. Alors, on va juste refaire quand même ça. Voilà. 4000 points de vie, hein, Prisea, quand même. 4000 points de vie, et moi j'ai 4384 grâce à nos équipements. Ce qu'on va faire, bon, déjà, c'est qu'on va dégager d'ici. On va finir ce temple de la glace. On va aller chez le nain. Pour aller récupérer le dernier gnome, parce qu'on m'a dit qu'il était là-haut. Et après on va aller au temple de la terre. Pour justement aller voir ce qui se passe quand on a ramené tous les gnomes. Alors je sais toujours pas à quoi sert ce truc là. Ici. Trop bizarre parce qu'il n'y a pas de coffre ou autre. Je vais quand même, je vais le tirer, on va voir. Et on va mettre dans le passage. Genre ça. Et ça. Peut-être qu'il y a un truc caché. Hein, hein? D'accord, c'était pour... Ok. Ah, j'avais la vue d'ici comme ça aussi. Ok. Bon. Ça nous servait à rien au final. Hop. Allez, pousse-moi ça. Et on sort. Alors pour sortir, c'est par ici. Il faut que j'en fasse le grand tour. Toc, 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 toc. Ouais, il était vraiment petit ce donjon au final. Hein. Avec toute la quête de l'alarme de Celsius, les plumes de pingouins, etc. J'imagine que la longueur s'est faite sur ça. Oh oh! Ça a pas frappé près des mines? C'est quoi cet endroit? J'ai vu un petit truc au fond. Ah, c'est dans la direction d'Ozette en plus. Hein? Et c'est là qu'on doit aller en plus. J'avais prévu. Alors par contre je suis... Hein? Ok. Oh merde. J'espère que c'est pas trop tard pour le nain. Apparemment, non, ça a l'air d'être à l'abri ici. Ça ressemble beaucoup à Colette, toi. Ouais, mais tu ressembles aussi aux anges. En tout cas, le chef, Yggdrasil. Bah voilà pourquoi, c'est Mythos.
Mythos の名前だ。ouais. あれ、もしかしたら君ハーフエルフじゃないの？僕は違う。Les trucs se sont passés. 安心なさい。わかるでしょ？あなたも私たちと同じ血が流れているのなら。あなたたちもハーフエルフでも人間と一緒にいるじゃないですか。大丈夫だよ。私たちみんな二人のと人間がハーフエルフと友達。ああ、non, on peut tous amis。じゃないよ。僕と姉さんはこの人たちの仲間なんだ。安心なさい。無理もなかろう。このオゼットはハーフエルフ蔑視の激しい村と聞く。この村に隠れ住んでいたのなら辛い思いをしただろう。Mais on l'avait vu avant. Tiens, le nain, on le cherchait en plus. Anta, t'as qu'à Arutesta san datta na. Sabaki no ikazuchi ga kono mura megakete ochita no o mite. Kurushis no. Tenshi ta. Preseo. Shouki ni kaette iru no ka? Nan tou koto da. Kore wa jikken no shippai no miseshime na no ka?どういうことだい、見せしめって。なんでもない。なんでもない。Il veut jamais rien dire, celui-là. Il a vraiment des problèmes. マスターは自分のせいでオゼットが破壊されたと思う。アルテスタさんはオゼットと関係があるんですか？はい、すみません。マスターが心配です。私、追いかけます。Bah écoute, on va faire la même chose, de toute façon c'était prévu qu'on vienne ici, donc dans tous les cas... On s'en fout que t'es un demi-elfe, c'est bon. Ah là là. Faut pas qu'on est tous coping. Regarde l'autre, il est quasiment torse poil là, il fait la gueule, avec les chaînes sur les mains. Ouais... Ok. Bon, ça se déroule mal, mais pour moi, ça se déroule bien. Ah bah oui, bah c'était ça, oui. C'était la maison d'atelier, ça, j'ai vu. C'était pas la mine dans l'autre monde. Alors, le gnome. Je crois que le gnome est dans la maison. J'espère que je vais pouvoir y rentrer. J'avoue, j'aurais pu y aller avant. J'étais un petit ange, je travaillais pour le Crucis. Alors, vous êtes du côté des anges, Yggdrasil. Connaissez le Seigneur Yggdrasil? Si on le connaît, cause de lui, Sylvaran et Tessalan étaient séparés en deux mondes qui se disputent le mana. C'est un cristal de Cruxis. Je vois, tu dois être l'élu du monde en déclin. C'est peut-être le destin, ce qui est arrivé à Ozette est de ma faute. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis arrivé ailleurs, mon travail qui coûtait indirectement leur vie à des gens. J'ai fui le Cruxis et je me suis caché à Ozette. Un des siens nommé Rodil m'a malheureusement retrouvé. Il m'a ordonné de créer un cristal de Cruxis et en échange, il me laissait la vie sauve. Ce qui veut dire que les recherches sur Prézea sont l'œuvre de Rodil et du Pontif, et que vous et Kate n'en êtes que les exécutants. C'est ça, Rodil, qui était un des siens au service du Crucis à cette époque, planifiait également la révolte contre le Crucis. C'est parce que je l'ai aidé dans cette mission que le Seigneur Yggdrasil s'est fâché contre moi. Et il a détruit la ville d'Ozette qui m'a donné refuge. Alors c'est pour ça que Prézea, cette fille, me renvoie des images du passé. C'est comme ça qu'elle a été impliquée dans tout ça. C'est terrible, au-delà des mots. Je suis désolé, mais je pourrais jamais m'excuser assez. Mais c'est tout ce que je peux faire maintenant. Mais ouais. J'ai un village et papa ne reviendront pas non plus. Prézea, je regrette, mais on peut modifier le futur. Ce qui va arriver. Même si vous vous excusez, je ne peux pas vous pardonner maintenant. Prézea, je sais que tu as beaucoup perdu. Mais je t'en prie, ne te perds pas toi-même aussi. Ne pas pardonner, ce pourrait être pas une punition. Je pense que ce soit juste. Pardonner ou pas n'est pas une punition. C'est pas comment l'expliquer, mais... Très bien, quoi qu'il en soit, inutile d'entamer une discussion philosophique maintenant. Prézea ne doit pas se forcer à le pardonner, ni rien de ce genre. Pensons plutôt à ce que nous pouvons faire maintenant.
Oui, tu as raison pour ma part. Je crois que nous devrions saisir l'opportunité de demander à Telsa ce qu'il sait du Crucis. Nous n'avons pour le moment pas assez d'informations. Qu'en pensez-vous? Présa, t'attends ici? Ah, tu vas me dire. Ok. Alors, le gnome. Où est-ce qu'ils ont garé ce gnome? Je vais voir à droite. Je crois qu'on m'a dit ici. Hein. Si jamais j'irai vérifier le commentaire. Cache quelque part, peut-être. Je sais pas. J'appuie sur tout. Ça jamais. Ok. Oui, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Là, c'est pour sortir. Il est là. Eh, mais vous m'avez vu, mon grand frère, hein? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mon grand frère n'est pas rentré alors que je cherche. Je pense qu'il est déjà rentré. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Normalement, on a tous les gnomes, là. Ça devrait être bon, ça. Oui, quelque chose. On va savoir davantage sur le Crucis. Ça risque d'être long. Ce n'est pas grave. C'est une organisation composée quasiment exclusivement de demi-elfes. Un grand nombre de nains sont également impliqués dans ces activités. Je vais lire vite, hein, parce que je pense qu'il y a un gros dialogue. Ah, n'existe d'autres nains que papa et vous? L'objectif, c'est de faire que l'âge des demi-elfes arrive et que Martel renaisse. C'est dans le but qu'ils se servent de l'église de Martel et tentent de fusionner l'élu et la conscience de Martel. Mais si c'est vrai, pourquoi les essayants veulent-ils tuer l'élu? La peur et la souffrance des gens éveillent et stimulent les esphères, les cristaux de Crucis, tout comme les instincts combatifs. C'est pour ça que les décisions perturbent le monde en déclin. Afin de faciliter sa transformation en ange, ils ont délibérément mis les lieux en danger. Cependant, ils ne lui ôteront pas la vie. Ce doit être un déciant qui a trahi le Crucis, comme Rodil ou un membre des Renégats. Rodil, qu'est-ce qu'il manigance? La reconstruction du canon en mana. Il a obtenu les plans du canon en mana, je ne sais comment, et il le reconstruit à Sylvaran. Il possède aussi sa propre ferme humaine, et il est probable qu'il utilise ses prisonniers dans la construction du canon. Une fois qu'elle sera terminée, il a sûrement l'intention de bâtir son empire. Quand peut-il faire souffrir tant de monde pour une telle chose? Dites-moi, est-ce que c'est bien vrai qu'Idrasil a créé les deux mondes? Eh bien, c'est ce que j'ai entendu dire. Il a relié les deux mondes qui ne doivent plus jamais entrer en contact. Via quatre liens de mana, il a placé la graine suprême au milieu pour que les liens la protègent. La graine suprême? Où est-ce que j'ai entendu ça? Tiens. Elle est citée dans les récits du héros Mythos. C'est ce que les gens appellent l'âme de Mythos qui est mort sur la terre sacrée de Karlan à la fin de la guerre antique. Un instant, c'est vrai, mais... Pourquoi la même légende de Mythos de Sylvaran existe-t-elle ici aussi? C'est une chose que je me demande depuis un moment. Il y a deux terres sacrées de Karlan, deux tours du salut. Et maintenant, la légende de Mythos est la même? On dirait qu'il est possible de voyager entre les deux mondes à leur pôle. Je ne sais pas où sont ces pôles, mais cette personne que nous connaissons sous le nom de Mythos utilisait peut-être ce moyen pour passer d'un autre monde à l'autre. Bipolaire, oui, c'est ça. Mais ça, que se passe-t-il? Voici ma théorie. Peut-être que la guerre antique est en réalité un conflit entre Tessera et Sylvaran, et que le héros Mythos a forgé le traité qui a mis fin à la guerre. C'est pour cela que la légende de Mythos existe dans les deux mondes. Oui, et si on suppose que l'un des deux pôles est la terre sacrée de Karlan, alors nous pouvons comprendre le sens d'existence des deux terres sacrées. C'est la porte entre les deux mondes. Ouais, c'est logique. J'ai entendu dire bien des choses sur la structure bipolaire des mondes, mais votre idée est également logique. Quelles sont les autres théories? Il existe une légende à Altamira sur ce qu'on appelle la porte d'outre-monde. Selon certains, c'est l'un des pôles. La porte d'outre-monde. Et la graine suprême? J'en sais pas grand-chose. Le Seigneur Drasil a dit qu'elle était plus importante que sa propre vie. Je suis pas sûr de me souvenir de tout ça. Vous devez toute cette fatigue maintenant, pourquoi pas passer la nuit ici? Et toi c'est ça, si tu as nulle part où rester, tu devrais dormir ici aussi. Il y a avec ses demi-elfes et tout là. Oui, Tabata est un androïde, alors un demi-elfe chez moi, ce n'est pas un problème. Tabata est un androïde? D'accord. Mon collègue vient de comprendre. Ok. Eh ben. On va être amis. Après, me fais pas de coups à l'envers, toi. Hein. Sa façon d'être qui est bizarre. Après, bon, il se peut peut-être qu'il ait perdu des souvenirs, des peurs de ci, de ça, mais bon. Ah, le professeur est parti. Hugume? Où est-ce qu'elle est? C'est ma soigneuse! Sans que René ait laissé une note disant qu'elle allait étudier quelque chose quelque part et elle soit partie. Peu avant l'aube, j'ai vu un pteroplan partir vers le sud. C'est peut-être Rain. Vers le sud, dans la direction d'Altamira?
Maintenant que tu en parles, elle avait un comportement un peu étrange hier. Elle essaie de parler de la porte d'autre monde. Que devons-nous faire? Il y a beaucoup de discussions, hein, beaucoup de dialogues. Je suis inquiet pour elle quand elle est seule. Allons la chercher. Allez, on t'embarque avec nous. Mais je suis inquiet pour elle aussi, il y a des monstres partout dans tes salles là maintenant. C'est la première fois que je rencontre d'autres demi-elfes, alors je veux savoir si elle va bien. Allez, tu viens. Les amis de nos amis sont nos amis. Ok. Ouais, donc on va voir si on peut rentrer dans le temple de la Terre. Un cadeau pour plaisir. Ok. Bon, bah on prend. Elle a accepté. Elle a accepté. Ok. Alors, on va sortir. Bah, je vais utiliser mes ptéroplans. Et bah, direction le temple de la Terre. Alors, normalement, les copains, ils sont par là. Il en manque un. Oh! Bah, le voilà! Tu m'as fait peur, hein. Allez, qu'est-ce que vous proposez? J'espère qu'il y a des bons trucs, des bons objets, ce genre de choses. Pas de boss, parce que j'ai plus rien. Oh, c'est un trésor. Déjà, il y a un monstre. En vrai, je vais me le faire. Ouais, Xelo, c'est le soigneur. Hein. Ah, t'es le soigneur, mais j'ai pas envie de te jouer, moi. Viens, Shina. Allez, on va faire le dragon. Oula, c'est un gros boss, ça. Un dragon. Ouais, je le sens peut-être mal au final. Hop. 10 000 points de vie. Ok, ça va. Bon, par contre, pour le toucher... Voilà, ok. Ça, c'est la merde. Parfait, parfait, parfait. On bourre, on frappe. Tatatatatatatac. De toute façon, il est grand, donc je peux m'amuser à faire ça. Oh, les combos. Continue, continue, continue. Ah, dommage. Bon, ça devrait le faire. Fendendemon. Mes alliés, s'ils pouvaient frapper, ce serait cool, hein. C'est vraiment cool. On va utiliser des objets quand même, hein, évitons de mourir. Surtout j'ai des petites gelées de pommes donc on peut grave les utiliser. Allez. Technique acquise, la dévastation massive. Ouh. Classe. Ah, ça fout au sol en plus. Hein. Tout, 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 tout. Aïe. Voilà. Un petit objet? Non, rien, juste un protecteur. Ça ne s'ouvre pas. S'il n'est pas une sorte de pouvoir, ne devrait pas y toucher, ça ne me dit rien qui vaille. Ah ouais, mais je peux, ouais, je peux toujours pas ces coffres. Bizarre ça là-haut. Donc, ouais, on m'a laissé libre cet endroit-là, mais il me faut un truc spécial. Donc, je pourrais pas encore. Bon, bah on y reviendra. On y reviendra. Donc là, la suite, ça va être au sud. De là où on était au village d'Ozette. Je pense que ça va être lié à l'histoire. On doit obtenir cet objet pour les coffres. Faut pas l'oublier, hein. Temple de la Terre, bon, je pense que c'est le moins difficile par rapport aux autres coffres qu'on a découverts tout au long. Et ouais, on fera ça pour la prochaine fois. Hop. Peut-être aller se poser quelque part. Histoire qu'on aille se reposer et tout. Alors ça, je peux toujours pas y aller, à part si je passe par les trucs. Mais reposer, c'est la misère. Là où il y a le pont. Est-ce que je... Oui, je pense que je peux y aller là-haut. Ici. Hop. Ouais, puis il y en avait dans la forêt aussi. La forêt de souvenirs, j'ai pas fait toutes les ronces parce que ça buguait. Ça voulait pas tout cramer. Je suis comment? Oui, on va quand même se soigner, puis on va se sauvegarder et tout, on va être bien. Eh bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode. Hop. Et on verra ce qu'il y aura à faire pour la prochaine fois. Enfin, en tout cas, on sait où on doit aller en tout cas. Mais à voir si ce sera un donjon, s'il y aura du boss, parce qu'il y a encore le temple des ténèbres, où j'ai pas pu le faire. Apparemment, on pouvait le faire aussi. Je sais pas pourquoi, moi je ne pouvais pas. Peut-être il y a un truc secondaire à faire en priorité. Quand on le fait, bah on pourra le faire après. Bon. Allez, à la prochaine, Xoker. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tchuss.